J'ai reçu la lettre hier, puis il faut que je te dise. Merci. J'ai été accepté à l'Académie du FBI. Tu me niaises. Non. J'ai fait mes bagages, puis je pars demain pour l'entraînement. Agent du FBI. Imagines-tu, ça a toujours été notre rêve de jeunesse, ça. Puis toi, tu l'es. Je sais, puis je pense que c'est le destin qui travaille pour moi. Destin. Tu crois encore à ça, toi? Ben, j'ai jamais pensé le contraire. Moi, avec tout ce que j'ai vu pendant ma job, là. Je peux pas croire encore à ça. Je te l'ai déjà dit, chaque chose... Ben oui. Chaque chose a sa raison d'être. Je sais que tu me l'as dit assez souvent. L'entraîneur des unités sur la route. Il y a un 43 en cours au dépanneur de Laurier et Chantier. Unité 43 à Centrale. Je vais aller sur les lieux du 44. C'est beau, faut que j'y aille. Tu as besoin d'aide? Non, c'est correct. Toi, prépare-toi pour demain. OK, ben on s'appelle demain. OK. Unité 43 Centrale, Jimmy le propriétaire est inconscient, envoyez-moi des 17 de suite! 4 Unité 43, les ambulances sont avisées et sont en route. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tirer le bat à l'œil. Au bloc perdre un droit, tout de suite! Je suis désolé du fait que tu pourras plus être policier. Tu sais, avec ton œil, ce serait très dangereux. Mais ton affectation aux tâches administratives, là, tu vas pouvoir travailler au poste pareil. Je vois que tu as amené tous tes effets personnels. Tout est là, même tes ans. Oui, patron, tout est là. Je prendrai même pas de temps de vérifier, je te fais confiance. Je vais serrer la boîte dans mon sous-sol. Je me souviens de ouais. Ce que je t'ai dit ce matin. Qu'est-ce que c'est? Il y a un nom. Il y a un ciel. Bah ouais. Une éternité. Tu me niaises. Même si j'ai de la misère en anglais, là, mes tests pour l'FBI ont super bien été. Je devrais avoir des résultats là, dans quelques mois. Wow, chanceux. Ouais, pis toi, ton œil, c'est-tu mieux? Ben, je suis sur le nouveau docteur, là, pis ça se peut qu'il me mette un œil artificiel, on verra bien. Je te le dis, Pierre, chaque chose a sa raison d'être. Ouais, c'est ça. Ou peut-être que tu vas pouvoir voir à travers le linge. Peut-être que ces cougars, vous devraient porter un tutu pour éviter ouais, de gagner du poids. Ouais, c'est ça, là. Ouais, ça a l'air que tu m'écoutes pas, hein? Là, écoute, docteur, il arrive. Il faudra que je te parle plus tard, OK? Je te parle. Que j'existe? OK, ciao. Alors, M. Gagnon? Oui, c'est ça. C'était vous. Alors, veuillez entrer dans la salle? Thank you.
Merci beaucoup. Je crois qu'on se revoit la semaine prochaine, c'est ça? Oui, s'il y a un problème entre-temps, veuillez me téléphoner aussitôt. Voilà, merci. Au revoir. Écoutez, c'est pas tous les jours que je vois une femme aussi jolie que vous me sourire. Et je me demandais si ça vous tentait pas de venir manger ce soir. Oui, ça me ferait plaisir. Parfait. Moi, c'est Pierre. Pierre Gagnon. Oui, c'est écrit sur votre dossier. Moi, c'est Marie-Ève Tanguay. Marie-Ève, ça fait plaisir. On se revoit tantôt? Oui, à plus tard. Oh, j'oubliais. Où je vous prends ce soir? Disons au coin Laval et Wellington à 8 heures. OK. Tantôt. Bye. Merci pour la belle soirée. Bon, ben, à la prochaine. T'as mon numéro de téléphone si tu veux me rappeler? Oui, je l'ai. Tâche, là. Où ça? Bon ben, bonne soirée. On se reparle. Merci. Tu me niaises. Non, 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 je te dis, la femme qui m'a donné l'entrevue est arrivée dans ma chambre d'hôtel, puis on a baisé comme des fous. Puis toi, ta soirée? Oh... est vraiment spéciale, cette fille-là. Simple, belle, charmante. Je pense vraiment que ça pourrait marcher, mon PL, là. Good! Tu vois, je te l'avais dit. C'est un accident, là. Il y en avait une raison. T'as-tu me crains, Rasteur, que je te disais que chaque chose a sa raison d'être? Ouais, je commence, là. Disons que si c'était pas de mon œil, je l'aurais jamais rencontré. Parlant de ton œil, y ont-tu trouvé l'épée qui t'a tiré dessus? Non. Mais il paraît qu'il y a des nouveaux indices. J'espère qu'ils vont le trouver, le tabarnak. Ok, là. C'est du beurre pis des œufs que ça nous prend? Oui. Broche, papier, ciseaux pour savoir qui va les chercher. Ok. Broche, papier, ciseaux. Broche, papier, ciseaux. Ah! Bon vieux ciseau qui me sauve encore. Bon, j'y vais. Mais où ma sacoche? Non. C'est quoi ça? Ça, c'est juste un sac de papier. Hein. Ah. Non. Ah, oh, elle est là. Bon ben, j'y vais. Ok. Hi, Marie-Ève. Tu me niaises. Ben oui, je te dis. Hey, une Mercedes, pis un condo sur le bord de la mer à 3 000$ par mois. Je leur donne une réponse d'ici la semaine prochaine. Hey, parlant de réponse, as-tu donné la tienne? Non. Je voulais faire ça à soir. Ah ben, mon chum, va falloir que tu m'avoues ça, pis je vais te l'entendre dire fort. Oui, oui, chaque chose a sa... Sinon, je fais du mâche-moi-là avec son cerveau! Lâche-le tout de suite! Tu t'en sauveras pas deux fois! Deux fois? Ah ouais, il semblait que je te replaçais aussi. T'es le policier que j'ai tiré dans l'œil. T'es rendu net, tabarnak. Lâche-le tout de suite! Il va vous sortir des ordres d'ici, toi! Lâche ton arme, sinon je la tire! Ok. Je dépose mon arme, là. T'as dû abaisser la première fois aussi. J'ai pas essayé de faire du trouble, moi. J'ai mes cigarettes, mon cash. Si tout se passe mollo, ta blonde n'aura rien. Thank you.
J'ai entendu la nouvelle. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Je suis vraiment désolé. Je sais pas trop quoi te dire. C'est beau, là. Mais tu sais, Pierre, malgré chaque étape difficile qui t'arrive, dis-toi que. Chaque chose a sa raison d'être. Tabarnak! Monde cynique. Plus d'échecs que de réussite. Mais du bonheur, fils. Je reste toujours à la poursuite. Tout n'est qu'une question de destin. Une question de destin. Section S. Chacun son destin, certains finissent riches et aisés. Tandis que d'autres vivent dans la merde, les pleurs et finissent délaissés. Je vais pas laisser la vie m'avoir, donc faut que je m'en sorte. Que j'ouvre les portes de la réussite pour voir ce que ça m'apporte. Comment je me porte face au destin. Rien de bon, mais je fais en sorte de m'en sortir du mieux que je peux. Ici, la vie n'est pas un jeu, faut que je rappe la mise. Aucune erreur permise, pourquoi mes rêves s'envolent par masse. La vie c'est comme la roulette, manque un père et passe. Avec le temps, la vie se tasse, mais aucun problème s'efface. Dis-moi ce qui se passe, où est le malaise. Pourquoi le destin nous baise, même si je reste à l'aise. Je sais que brûle la braise au fond de mes veines et ça, ça pèse, tu sais. Les petits pousses, les HLM vieillissent, les familles s'agrandissent. Ici trop de fiel, trop de mains tendues vers le ciel. Prière du soir substantielle, éternelle requête. À espérer de meilleurs lendemains, l'État nous a laissé pour mort. Paria d'aujourd'hui et de demain, vos mots ne valent pas les nôtres. Puis on s'est assis dans un deux pièces, on manque pas de poids. Mais plus de place, bon, le fait plus belle lurette, hélas. Les années passent, même sensation, même mal de vie, même frustration. Voir son père et sa mère amener chaque fin de mois, pas plus de 30 euros. C'est triste à dire, c'est triste et dur, ça se traînera pas, c'est vérité. Les transcrire encore plus, mais faut bien qu'un jour tous la soient cités. Nos destinées sont sombres ici-bas, et ça tu le sens bien. Ce que j'écris, je l'ai vécu car moi aussi.